monde, c'est voilà. Salut tout le monde, c'est voilà. Tu sais qu'hier j'ai sauvé Wii, j'ai aidé ta mère à travers son passage. Bonjour, c'est voilà. Salut tout le monde, bande de merde, c'est Stallone. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Catherine. Une deuxième? Oui, bah oui, parce qu'on avait envie. De toute façon, tout le monde s'en fout. Je suis en caleçon. C'est ça l'explication. Ah oui. Donc, tu es en caleçon. Hein. Là, je cours au milieu, enfin autour. D'un mouton bélier. C'est comme un lapin bélier, mais c'est un mouton bélier. En fait, on va continuer juste où on s'était arrêté, nous, parce qu'on n'a pas beaucoup joué. Et juste comme ça pour le fun et surtout pour vous parler. Voilà. Parce qu'on aime bien vous parler. Voilà. On aime bien parler, mais en général, on n'a pas d'auditoire. Donc... Mais on aime bien parler. Hein. Alors. J'imagine que tu es différent des autres moutons qui s'arrêtent ici pour attendre l'aube, effrayé et content sur la divine providence pour les sauver. Que tu es différent de ces moutons. Je pourrais faire traîner les choses, mais en définitive, je souffrirai simplement plus longtemps. The fourth question. Do you think you're an obsédé? Être un obsédé, répondez honnêtement. Êtes-vous un pervers? Oh bah non. Bah, non, pas un pervers, non. Ils ont tous menti, je suis sûr. Vous pouvez répondre aussi à la question dans les commentaires, ça fera toujours un commentaire, hein, vu qu'il n'y en a pas. Exactement. Again and again and again. And again. Wow, tu t'envoles. Donc voilà, en fait, on va vous parler. C'est surtout pour les abonnés, enfin pour ceux qui nous suivent, enfin comme vous êtes trois. Jérémy Kaku. Et peut-être Willy, si tu regardes la vidéo. Ouais. Et Aitis aussi, si tu regardes la vidéo. Il va que les dernières vidéos, apparemment, vous n'avez pas regardé. Bon, oui, il regarde jamais les vidéos, mais... Voilà. Et Haïti, c'est plutôt occupé en ce moment. Ce qu'on comprend très bien. Ouais. Donc, il y a quand même une majorité, je ne pense pas, il est impossible de le nier. Il y a quand même une majorité d'impossible de le nier. C'est ce que j'étais en train de me dire. Bon, bah écoutez. Il y a quand même une majorité d'obsédés. C'est ça. C'est bien. Bah écoutez, hein. Ce qui se passe sur Catherine reste sur Catherine. Hein. Ou pas, du coup. Hein. Ou pas, oui, effectivement, parce que tout le monde peut le voir. Salle de tortue. Ah, dernier étage, donc on va être contre le boss en plus. Et bah écoute, pour reprendre, je trouve ça pas mal. On va avoir plein de fails, je pense. Donc, ouais, mais c'est pas grave, je sais plus comment on joue, hein, juste pour, c'est pour les indications. Hein. On avait des choses à vous dire concernant la chaîne. En général, on se fait un petit bilan, nous, rapide. C'est toujours un cul. C'est dégueulasse. C'est un cul avec des yeux et une langue. Oh hello! Oh la Duolingus. Alors, facile. Ok, j'ai foiré. Ok, hop, 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 t'es mort. Hop là, non, regarde. Hop là, hop là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, t'es mort. Et non. Et voilà, parce que hop là. Hop là. Non, en fait, là, ouais, j'ai chié là-bas. J'ai fait n'importe quoi. Hop, il est mort. Voilà, alors attendez, on va la faire. C'est après. Comme ça qu'on joue à Catherine. Voilà, donc vas-y, je te laisse expliquer, donc, démarrer. On s'est fait un petit bilan, etc. Et on, honnêtement, on va pas se le cacher, nous sommes en perte de vitesse. Alors, c'est pas nouveau, hein, nous on s'en étonne pas, etc. Il y a pas mal d'abonnés qui ne... Même la plupart d'entre vous qui ne prennent plus le temps de commenter ou de laisser un like ou quelque chose, avec qui on avait pourtant discuté assez régulièrement. Donc ça nous fait un petit peu mal au cœur, hein, il faut le dire. C'est vrai. Mais on peut pas vous en vouloir parce que on a quand même du soutien. Donc déjà moi je pense que je remercie au nom de Stolen et au nom de moi-même, ouais. Jérém, Kaku et les personnes qui sont très actives sur la conversation Skype, donc Willy, Aetis et les autres quand ils participent, pour leur soutien. Et ça nous fait vraiment plaisir, on parle beaucoup de vous et on dit que du bien de vous parce que c'est grâce à vous qu'on continue à faire la chaîne, même si c'est toujours un plaisir pour nous. Et donc on en arrive au point où aujourd'hui, nous, notre nombre d'abonnés est à peu près à 800, mais le nombre de vues et du reste, en fait, tout ce qui nous permet de rester motivé, en fait, est en chute libre.
Donc on s'est dit, plutôt que de continuer sur une chaîne qui est en train de mourir et... tu vas mourir là, non? Une chaîne qui est en train de mourir. Ça fonctionne pas comme ça. Là, ça fait des bruits bizarres. Le... Donc plutôt que rester sur une chaîne qui est en train de mourir et tenter vainement de la relancer avec des jeux actuels ou en proposant les trucs que la plupart des gens proposent, on va peut-être... Putain prendre... Ah putain J'étais putain, presque putain, on va peut-être prendre un nouveau virage, un nouveau, en espérant que celui-ci ne nous fasse pas planter comme l'implantation manga qu'on avait prise plus tôt. Exactement. Donc cette nouvelle idée qui nous parcourt et qui trottine dans notre esprit pour l'instant, c'est peut-être... mourir sur des pics. Parce que c'est vrai que c'est pas mal, et puis on a vu des comment on appelle ça, des fakirs faire ça. Oui, et bah eux ils meurent pas. Non, ils meurent pas. Ah, il y en a, ils sont morts. Ah bon, ça passe. Ouais, les fakirs level 1, ouais, de mourir. Donc, nous, notre idée, ça serait peut-être relancer. Alors, on vous le dit pour l'instant, ça reste au stade d'idée. Ça serait relancer peut-être une nouvelle chaîne, repartir de zéro sur de bonnes bases pour pas refaire les erreurs qu'on a commises. Exactement. Sur cette chaîne là. Alors sachez que on serait vraiment très très fiers de vous déjà et très reconnaissant si les abonnés actifs suivraient. Bon, je pense que là de ce côté là en fait je suis baisé. On m'a niqué les, voilà. On m'a niqué mes commandes. Ah mais maintenant là c'est un peu tard, du coup ça sent la merde là. Donc pour les abonnés, ouais, je... Oh, dis donc, il y a le cul qui est là. Ouais, c'est fini, là. Hop, putain. C'est complètement fini. Je ne mourrai pas par le cul. Je préfère me... Voilà. Donc oui, donc l'idée, ce serait peut-être d'ouvrir une prochaine chaîne, donc repartir sur des bases saines, proposer un concept, sur ça, il faut qu'on se mette d'accord, mais un concept un peu différent, qui serait vraiment plus intéressant pour vous et nous. Donc c'est-à-dire, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les vidéos qu'on fait, c'est sur... c'est pas du tout, par exemple, filmé ou autre, par exemple, hein, c'est... Et donc en fait l'idée ce serait, bah, pourquoi pas par exemple de se filmer etc, mais de partir sur un nouveau concept avec peut-être des nouvelles idées à ce niveau là ou autre, on ne sait pas encore quoi. Voilà, donc faut qu'on se mette d'accord, mais c'est une idée que pour l'instant qui est dans notre esprit. Oh putain non, il a fait apparaître des... Oh le bâtard. Non, j'ai déconné. T'as plus qu'une vie. Ouais. Enfin, c'est game over. Non, je sais pas du tout ce qui se passe là. Donc voilà, donc ce serait peut-être repartir sur de plus belle, sur une nouvelle chaîne. Bon, après vous serez forcément au courant parce qu'on on fera pas ça comme ça dans votre dos, etc. On prendra bien le temps de vous expliquer le concept, où est-ce que vous pourrez trouver les trucs, etc. Toutes les infos. Et en fait, il y a deux choses qu'on aimerait vous demander. Bon bah la première, c'est bah si vous aimez ce qu'on fait, bah c'est de continuer à nous suivre sur la prochaine et nous encourager sur. Putain, il fait chier ça quand ça. Par contre, c'est sa merde avec les. Putain, c'est chiant. On sera habitué. C'est que vous nous aidiez en fait. Bah, déjà, soyez présents quand on ouvrira la nouvelle chaîne. Enfin, ce serait cool. C'est-à-dire que. On parle surtout pour ceux qui nous suivent fortement. C'est-à-dire Jérém, Kekou et Etis. Raph aussi qui regarde. Vous êtes les. Principalement les 3, voire les 4 à nous regarder vraiment beaucoup. Ouais. Et bon bah vous, on n'a pas envie de vous perdre, on n'a pas envie de vous perdre parce que ça nous fait chier et c'est pour ça qu'on, enfin c'est aussi pour vous qu'on fait les vidéos etc, et on aime bien partager ce qu'on fait avec vous, donc donc ça c'est, voilà, ça c'est clair, c'est une certitude. Maintenant voilà, on comprend que aujourd'hui c'est pas forcément facile, que nous on a quand même besoin d'avoir malgré tout on a besoin d'avoir cette ce public en fait. Bah en fait, c'est quand même important pour nous. On n'a jamais menti là-dessus, on le fait pas pour les thunes, on fait vraiment pour l'interaction avec les gens. Pour pouvoir discuter avec les abonnés, nos abonnés, pouvoir jouer avec eux, discuter même en dehors des jeux vidéo, de tout, de rien. C'est vraiment ça qu'on recherche nous. C'est vraiment nous faire une petite communauté sympathique. Comment t'es là ? Ah mais en fait, ce serait bien que... Le cucu. Ouais, pas le temps. Ah oui, d'accord. Ah, c'est immédiat. Bah pour la dernière, c'est bien que tu sois mort par le cul. Ah bah non. Non, j'ai regagné des trucs. Des plus points de sauvegarde. Il est mignon, lui. Donc voili voilou, on a ça à vous dire. Et le deuxièmement, c'était quoi déjà? Et le deuxièmement, en fait, on aimerait bien que vous nous donniez des idées. En fait, nous faire un bilan de la chaîne.
Ouais, pour dites-nous ce qui était bien, ce qui était moins bon. En fait, ce que vous êtes pas, sûrement il y a des moments, il y a des vidéos où vous êtes dit bon, ouais, ok, cette vidéo, bon, on l'a vue, mais ça nous a pas passionné. Voilà, ou qu'est-ce qui manquait, que vous auriez pu trouver sur une autre chaîne ou qui manquait sur. Ouais. Qu'est-ce qui manquait sur notre chaîne que vous auriez aimé voir? Voilà, des vidéos, des moments où vous avez dit bon, on regarde pas ce que c'est eux, mais le contenu est pas forcément super intéressant. C'est ça, donc là c'est le moment de vous exprimer et de lâcher, de tout lâcher, parce que nous on en a besoin, justement, c'est pour pouvoir apprendre de nos erreurs et puis pour refaire la même chose après. Donc vraiment nous dire ce que vous avez apprécié sur la chaîne, ce que vous n'avez pas apprécié. Pour ceux qui sont là depuis le début, bah depuis le début, pour ceux qui ont regardé que certaines vidéos, bah sur ce que vous connaissez quoi. Exactement. Et vraiment faire nous aider à faire le bilan de la chaîne, savoir où nous où est-ce qu'on a pêché, etc. pour que bah pour proposer le meilleur contenu possible par la suite. Et tu vas y arriver ou pas là? Moment de concentration là. Ouais, vas-y, là, je te laisse continuer. Hein. Et donc voilà, donc nous aider à faire le bilan, donc ça serait vraiment bien que dans les commentaires on retrouve plus que un ou deux commentaires des abonnés qui nous suivent, parce que je pense que eux ne vont pas hésiter à interagir. Mais tous ceux qui regardent la vidéo, qui vont tomber dessus et qui décident peut-être de s'abonner sur cette vidéo là, et bah de commenter, de vraiment nous aider sur point fort, point faible, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez pas, qu'est-ce que ouais. vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé. Et voilà, après c'est les deux choses qu'on avait à vous dire, parce que nous on commence, c'est pas qu'on on est moins motivé ou quoi que ce soit, c'est qu'on voit clairement que là la chaîne est en train de perdre de la vitesse, et on sait comment ça se passe en général quand on a une chaîne qui ralentit, ça repart pas comme ça quoi, et c'est justement plus difficile de repartir d'une chaîne en train de mourir que de repartir de zéro. Bah ouais, et même histoire, nous dans notre esprit je pense qu'on préfère repartir de zéro de façon propre, tout clean, plutôt que d'avoir j'ai vu t'as réussi. J'ai réussi hein. Plutôt que d'avoir des plein de vidéos qui forcément n'ont pas toutes marché. Donc si c'est pas clair, dans notre l'idée qui est dans notre tête, c'est peut-être repartir de zéro sur une nouvelle chaîne. Ce qu'on vous demande, c'est dans les commentaires dire ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce qui manquait sur notre chaîne et ce qu'on a fait ce qu'on a bien fait pour vous. Et le petit 1, c'était les gens qui nous suivent et qui commentent beaucoup, les abonnés qui sont fidèles, bah restez fidèles et justement nous suivre, sinon on fait la transition vers une nouvelle chaîne. Et voilà. Ceux qui sont pas fidèles, bah devenez fidèles, bande de bâtards. Ça peut être pas mal. Donc voilà, donc on a essayé vraiment de passer sur un tournant parce qu'on a pas envie d'arrêter YouTube, mais qu'on voit bien que ça marche plus et voilà, bêtement, hein, c'est. Voilà, et on sait qu'on est un peu des marginaux parce qu'on propose pas forcément le contenu que la plupart, enfin que ceux qui donnent que les gens qui donnent la tendance proposent, c'est-à-dire tout ce qui est e-sport ou alors les jeux indépendants ou les jeux en multi, etc. On sait qu'on n'en propose pas pour l'instant, donc de l'e-sport on n'en proposera jamais déjà, c'est sûr, parce qu'on n'est pas ouais. compétitif. Après, si un jour on est amené à de mettre un pied dedans, bah je pense que ce sera pas en tant que joueur. Après, on s'adresse pas forcément non plus aux plus jeunes, mais bon, nous, quand on parle, c'est pour tout le monde. Hein, on n'est pas en train de faire genre, on parle pas aux Kikou, on parle pas aux Minos, on parle pas aux gens qui ont 10 ans ou 12 ans. Tout le monde peut regarder nos vidéos et on s'adresse à tout le monde. Ouais. Bon, nous, on clash tout le monde, il n'y a pas de langue de bois, on est des langues de pute. Donc, donc voilà quoi. Hein. Boobs ? Non, pas Boobs. T'as vu comme j'ai répondu bien bleu sur les trucs, hein, que c'était bien, c'était plutôt ange, et bah du coup je passe du côté un peu mieux, tu vois. Ouais, alors que normalement t'aurais peut-être fait une sodomie là le matin, très bien. Je regrette un peu. Et donc moi j'embrasse très fort les gens qui nous soutiennent. Jérém, Willy, Kaku, Aetis, Raph. Voilà, ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent et qui commentent quasi à chaque vidéo. Et qu'on aimerait vraiment retrouver à la Paris Games Week pour ceux qui sont possible. Ouais. D'ailleurs, du coup, on change le message maintenant qu'on a parlé de ça. Voilà, maintenant que le moment on voit presque un cul, hein. Un quasi-cul. Un quasi-cul. Un quasi-cul. Maintenant que le moment déprime et chiant est fini, bah, apparemment, les contenus chiants, c'est ce que vous aimez parce que vous regardez souvent des streams chiants à mourir. Enfin bon, ça, c'est mon avis. Ouais, donc, non. Après, voilà, des fois, vous regardez des vidéos de merde aussi. Par exemple, Dark Funeral. Oui, non, mais. Enfin, il y a des. Wartek. Beaucoup. Ouais. Gotaga aussi propose des vidéos c'est de merde. Wartek. Non, mais c'est vrai, après, c'est facile, on dit des gens, ils crachent sur ceux qui réussissent. Mais c'est pas vrai. DBX9, j'adore. Cyprien, j'aime bien. Squeezie, j'adore.
Oui, et il y a sûrement beaucoup de gens qui ne réussissent pas, qui proposent des contenus beaucoup plus intéressants. Ouais, et j'en suis persuadé aussi. Moi aussi. Bon, après, nous, on s'en fout, hein, qu'il y ait des haters, etc. C'est votre avis, c'est le nôtre. Donc, c'est pas parce que nous, on dit, eux, ils proposent de la merde, que forcément, c'est de la merde. Ça nous regarde personnellement. Peut-être que pour vous, regarder une vidéo où le mec parle toutes les 10 minutes et qu'il se coupe à chaque fin de phrase, Ça m'a, ça parce te plaît qu'il fait. mieux, mais... Voilà. Enfin, je sais pas, mais il y a plein de choses comme ça qui font que moi, il y a des gros youtubeurs. Et des gens qui ne méritent pas forcément votre intérêt et tout l'amour que vous leur portez. Alors qu'il Exactement. y a des gens beaucoup plus petits qui seraient beaucoup plus proches de vous et à qui vous pourrez partager et interagir beaucoup plus. Comme on essaie de le faire, mais... Enfin voilà, alors l'annonce de la Paris Games Week. Alors l'annonce de la Paris Games Week, donc tout à fait, je te laisse parler parce qu'en fait je suis aussi le... Parce qu'en fait je ne connais pas ce que nous voyons là. Donc je suis aussi le dialogue en fait qui est en train de se T'as la passer. gueule ou pas là dans ton lit? J'ai la gaule dans Dans ton ton lit? lit? Je sais pas. Je pense qu'il a un peu la gaule, elle est quand même venue sur lui, quoi. Alors il est gay. Il ne te trompe pas. Non, tant que tu ne me trompes pas. Non, mais il trompe pas. Ça s'appelle Catherine aussi, l'autre. Clique, clique et pan. Ta da da da! Ta da da da! Ça va flasher! Et voilà, ça me donne envie de rejouer à Catherine en tout cas, de le continuer. On n'arrive pas à Paris Games Alors... On arrive, c'est en novembre, alors on sera en novembre. Mais oui, alors ça, pour ça la me donne Paris. envie, ça me donne envie d'y rejouer, de le finir. Mais bon, Pour la comme j'ai Paris. acheté Watch Dogs et que je l'ai, et je vous merde tous, bande de merde, ceux qui nous écoutent et qui nous suivent pas et qui like pas et qui commentent pas, je vous baise! Fils dans votre cul! Alors, on revient à la Paris Games Week. Donc pour la Paris Games Week. Donc grosse annonce, on a déjà fait la Paris Games Week avec. Des abonnés l'année dernière. On a rencontré un abonné qu'on ne connaissait pas et qui s'est abonné à notre chaîne d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, bah Willy. c'est. Voilà, Willy. Oui, on a d'ailleurs Qui d'ailleurs ne nous regarde plus mais qui parle avec tous, ça fait plaisir, ce C'est sont des ça. rencontres sympathiques. Un gaillard fort sympathique. Et, bien sûr, notre Suisse national, Jérém. Jérém. Donc Jérém sera là aussi cette année, je l'espère, vraiment très fort. Bah, il a dit que normalement c'était bon, hein. Ça va chier. Voilà, Mais sinon on vient te chercher par la peau du cul. n'hésitez pas à venir, C'est elle ça. croit qu'elle est enceinte. Alors, donc ça c'est vraiment la réaction de n'importe qui dans la vraie vie. Qui serait dans la même situation que je suis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à la Paris Games Week et à rentrer en contact avec nous si vous regardez la chaîne, si vous êtes un abonné, si vous tombez sur la vidéo par hasard et que vous aimez bien les jeux vidéo, que vous trouvez sympa. Nous on meurt pas, c'est pas comme les gros youtubeurs, on n'a pas une carte autour du cou avec genre 50 000 personnes autour de nous pour dire cassez-vous, j'ai pas le temps. Au contraire, Exactement. nous on prend le temps, ça serait super sympa de faire un groupe avec qui on pourrait faire tout le salon. Exactement, sachant que je sais pas si tu l'as dit, qu'il y a peut-être des gens de Rox qui vont venir aussi. Non, je l'ai pas encore dit. Donc Rox.fr qui est le serveur Minecraft où je fais partie des administrateurs. Donc c'est une grosse communauté, hein, c'est un gros serveur. Donc si vous voulez venir d'ailleurs, n'hésitez pas. R0x plus loin, enfin un peu plus loin, R0x.fr. Le serveur c'est alt.r0x.fr. alt.r0x.fr, voilà petit C'est coup de ça. pub. N'hésitez pas à Qui... venir sur le serveur parce qu'il est vraiment cool. Ouais, et on y est, on va reconstruire un village. Donc d'ailleurs, pour tous les abonnés qui ont envie, on va refaire un village, ceux qui veulent venir avec nous. Je pense particulièrement à Jérémy, par exemple, qui était là l'année dernière, Ouais. À faire un super dojo. Ouais, Kaku aussi qui avait aussi travaillé, Willy qui avait fait son terrier, mais là en fait la map a été reset donc on recommence tout et on essaie de repartir sur des bonnes bases. Ah, et faire un petit peu autre chose, donc un truc un peu plus gros. Donc voilà, donc au minimum nous à la Paris Games Week, si tout se passe bien, on devrait être nous deux, plus Jérém, plus Willy, je pense qu'il va Ouais, faire peut-être l'effort de nous, il y venir. aura trois nanas qui ont 17 ans. Le teasing! Donc voilà, on risque d'être un petit groupe sympathique et pas que des mecs, donc c'est sympa de voir aussi des filles qui jouent aux jeux vidéo. Exactement. Donc voilà, on a un petit groupe et Sachant que si elle peut montrer ses bouches pour la chaîne, ça la ferait décoller. on sera un petit groupe un petit groupe sympa pour la Paris Games Week. Je pense qu'on va bien s'éclater. Et en plus, nous, on va a priori y rester les 2 jours. Oui, donc c'est sûr. Enfin, samedi, dimanche, le voilà. 1er de novembre, il me semble que c'est quelque chose Voilà. comme ça. Voilà, donc comme l'année dernière. Et on aimerait aussi, si c'est possible, pas forcément faire genre on est un petit groupe que sur le salon, essayer de faire une petite sortie avec ceux qui seront là, ceux qui restent sur les 2 jours aussi, essayer d'aller boire un coup, discuter et tout, de se voir en dehors de la sphère Paris Games Week, quoi. Exactement. Et donc, nous, on est des gentils, on meurt pas, hein, on répète, ça sert à rien d'avoir peur
Si par exemple, je sais pas, bah non, personne va nous reconnaître parce qu'on n'est pas connu, mais. Mais enfin, voilà. Bon, si quelqu'un hésite là en train de nous écouter, qui veut mettre un commentaire, là, je sais pas si j'y vais et tout, nous on s'en bat les couilles, vous venez comme vous êtes, McDo, c'est notre devise. Quoi. I'm loving it. C'est ça. Et bah voilà. C'est pas mal! Ah si, à part si vous vous appelez Snacky et que vous avez une chaîne Liberty of Gaming, ça sert à rien de venir nous contacter parce que ça va très mal se mettre. On vous aime pas. Voilà. Par contre, si vous êtes un youtubeur avec des millions d'abonnés, n'hésitez pas! On est des grosses Facebook! Bah, pas WarTech par contre, parce qu'on t'aime pas. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ni Gotaga. Il faut le dire. Ouais, Gotaga non plus. T'es un petit gros qui nous fait chier. On te porte pas trop dans notre cœur, c'est vrai. Moi j'adore les petits gros, mais pas qui me font chier. C'est vrai que les petits gros, c'est toujours sympa. Et par contre, monsieur le V12, t'as l'air super gentil. C'est vrai. On t'avait croisé et t'avais l'air tout gentil, tout mignon. Ouais. Bon, après, si tu t'en bats les couilles de notre gueule, on comprendra aussi. On s'en bat un peu aussi les couilles de ta gueule. Donc, Mais c'est pas faux. Voilà. Donc, je pense qu'on a dit tout ce qu'on voulait sur la Paris Games Week, sur la chaîne, l'avenir de la chaîne. Mais rassurez-vous, on n'arrêtera pas définitivement YouTube, c'est clair et net. Si on voulait faire ça pour les thunes ou si on voulait arrêter dès qu'on était démotivé, ça ferait bien longtemps qu'on ne fera plus de vidéos. Je regarde pas du tout ce qui se passe là en fait. Moi aussi c'est très drôle. Il se passe quoi en fait? Bah je te l'expliquerai après. Tu verras sur la vidéo. Bah oui tiens. Mais c'est vrai? Oui. Bon voilà, bah je pense qu'on a fini de tout dire. On a fini de tout dire. Donc on va vous faire un gros bisou. On vous fait un gros bisou alors. Et puis on vous dit à la prochaine pour notre vidéo quand même, parce qu'il y en aura quand même une. On attend vivement vos réponses. Hein, Ouais, on le répète, donc les réponses c'était ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié sur le bilan de la chaîne. Et aussi, si vous avez trouvé qu'il manquait quelque chose par rapport à d'autres chaînes que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir. Là franchement, sur cette vidéo-là, plus il y aura de commentaires, je pense, et mieux ce sera. Ouais, parce qu'on attend vraiment en fait vos retours pour avoir des conseils, des avis, des... Enfin vraiment n'hésitez pas, enfin là j'ai enfin le premier de vous qui met juste un OK, j'aime bien la vidéo, enfin stop quoi. Voilà. Enfin, c'est pas ça qu'on a dit, le premier qui met j'aime bien la vidéo, moi je le bloque, c'est bon quoi, ça fait chier. On a vraiment envie d'avoir des réponses pour pouvoir avancer là si on fait un truc un peu plus sérieux. Donc s'il vous plaît, faites pareil et voilà, on n'est pas souvent mais il y a des moments on en a besoin aussi quoi. C'est ça. Donc voilà, on en a gros. c'est pour résumer. Camelot. On en a gros. Voilà. Bon bah en tout cas on vous remercie de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, merci encore de donner votre avis, de répondre à cette vidéo. Et puis voilà, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Tous ensemble. Hey. Ciao tout le monde, bye bye. Bisous, bye bye. On weekends because you've got to take care of the kids. Really? Dang.